Bonjour, chers amis. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 16 juin 2020. Restez toujours à la maison. Nous sommes en confinement. Observez les règles d'hygiène. Priez les bons dieux, ça va aller. Nous allons parler des opérations écrites. Pour rappel, je donne un exercice sur la multiplication par 3, avec retenue bien sûr. Il y a deux exercices. Nous allons nous rappeler facilement. Numéro 1. 25 fois 3. Alors, je vais faire ce que nous faisons comme d'habitude. Je dispose dizaines d'unités. Je commence par 3 parce que nous multiplions les 25 par 3. 3 multiplié par 5, ça me donne combien? 15. Je n'écris pas le 15. J'écris 5 et je retiens 1. 3 multiplié par 2, ça fait 6, plus 1 de retenue, ça fait 7. Donc, 25 fois 3 font 75. Numéro 2, 17 fois 3, même procédure, dizaine, unité. 3, c'est une unité, 3 multiplié par 7, ça fait 21. 21 ne s'écrit pas directement dans la colonne des unités. J'écris 1. Je reporte, je retiens 2. 3 fois 1, tout nombre fois 1, c'est toujours le même nombre. 3 fois 1, c'est 3, plus 2, c'est 5. Donc, 17 fois 3 font 51. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui de la division sans reste par 3, disposition pratique. Observe. 96 divisé par 3. Mais pour la disposition pratique, nous allons disposer de la manière suivante. 96 divisé par 3. Ça, c'est la disposition pratique. Alors, nous allons faire comment? On ne peut pas diviser directement 96 par 3. Nous commençons par 9. 9 divisé par 3, ça nous donne 3. Et pour rentrer, il y a aussi le signe de multiplication. 3 fois 3, ça rentre à 9. 9 moins 9, 0. 0 divisé par 3, impossible. J'abaisse 6 à côté de 0 pour donner le poids afin de faire la division facilement. Maintenant, je prends 6 divisé par 3, ça donne 2. 2 fois 3, 6. 6 moins 6, 0. 30 divisé par 3. Je procède de la même manière. Je commence par 3. 3 divisé par 3, ça me donne 1. Maintenant, 1 fois 3, je rentre à 3. 3 moins 3, 0. 0 divisé par 3, impossible. J'abaisse 0, ça devient 2 zéros. Quand 2 zéros se succèdent, d'office, j'ajoute un 0 ici. 0 divisé 0 fois 3, 0. 0 moins 0, 0. Donc 30 divisé par 3, ça donne 10. Enfin, 42 divisé par 3. Ça, c'est un autre cas un peu spécial. 4 divisé par 3. Donc, ça va entrer une fois. C'est ça, non? 4. 3 fois. 1, 2, 3 et 4. Je prends une fois ici, une fois là-bas, une fois ici. Donc, une fois 3, ça donne 3. 4 moins 3 reste 1. 1 ne peut pas diviser 3, impossible. J'abaisse 2. Maintenant, 12 divisé par 3, ça me donne 4. 4 fois 3, 12. 12 moins 12, 0. Je vous laisse, je vous donne un exercice d'application. Vous faites ça à la maison selon le procédé que j'ai expliqué tantôt. 63 divisé par 3. 30 divisé par 3. 96 divisé par 3. 81 divisé par 3. Et 72 divisé par 3. Je termine par là pour aujourd'hui. On se voit la fois prochaine, le jeudi.
Restez à la maison. Soyez bénis. Priez pour nous. Au revoir.